Bonjour tout le monde, oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente sa deuxième vidéo des derniers achats, premier trimestre 2017. Alors, il s'agira aujourd'hui de jeux exclusivement sur PlayStation 4, avec le steelbook du dernier Hitman, donc avec son four au carton. Donc Hitman est sorti l'an dernier en format épisodique, en dématérialisé. Et donc ils ont décidé de nous faire une jolie version complète de cette première saison qui est sortie le 31 janvier dernier. Donc le jeu est édité par Square Enix et développé par IO. C'est un jeu d'infiltration en vue à la troisième personne. Et chaque niveau du jeu est ouvert. Ce qui donne une multitude de possibilités afin d'atteindre ses objectifs principaux. Donc vous aurez vraiment, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas de nombreuses possibilités pour réussir vos objectifs. Donc en général, de toute façon, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que l'agent 47 doit en général à chaque fois tuer une à plusieurs personnes. Donc voilà, c'est le travail de l'agent 47, le meilleur tueur à gages du monde. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis content de l'avoir, je l'attendais, mais vraiment, je suis vraiment super content, quoi. Le steelbook est à la fois sobre et plutôt à la fois simple et puis joli, quoi. Bon, il a rien d'extraordinaire, mais voilà, ça c'est la classe. C'est vraiment la classe. Un excellent jeu que je suis en train de faire en ce moment, justement, je suis dans le menu de la manette. Et voilà, donc je suis dans les premières missions, je m'amuse comme un petit fou, c'est vraiment super. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a à la fois un pack Rickem à télécharger, donc des missions bonus, à savoir que tous les épisodes sortis l'an dernier sont sur le disque, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. On peut d'ailleurs y jouer hors ligne parce qu'il y a une mise à jour de 12 gigas. Et comme je pouvais pas attendre, c'était trop long, j'ai réussi à lancer le jeu. Alors que la mise à jour n'est pas faite. Donc ça, c'est bien. Donc en plus du DLC à télécharger, sur le PlayStation Network ou sur le Xbox Live, en fonction de... Ou sur PC, en fonction vraiment de la plateforme sur laquelle je choisirai le jeu. On a aussi, dans cette version boîte Steelbook, on a aussi du démat à télécharger sur le site officiel de l'éditeur, Square Enix. Donc on a à la fois la bande originale du jeu, donc l'OST, à la fois sous format MP3 et format WAV, donc ça c'est très, très sympa, avec aussi le scan des jaquettes recto-verso. Donc c'est très très sympa. Et on a aussi un documentaire qui doit durer une demi-heure, un truc comme ça. Un documentaire, donc là par contre, voilà, toute la musique, les deux formats de musique, ça fait un fichier d'un total de 500 et quelques MO. Vous avez un peu plus d'un giga par contre à télécharger pour le documentaire. Voilà, par contre j'ai pas fini de le télécharger, je ne sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est sous format MP4 ou quoi, j'en sais rien. Ça, c'est juste un message d'avertissement. Ça, on s'en fout. Ensuite, Killing Floor 2, un FPS qui se joue, je vais pas dire exclusivement, mais principalement en ligne, même si on a une partie solo qu'on peut faire. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut quand même... Ce qu'on peut faire en ligne, on peut le faire en solo. Voilà. Bon, après, plus on est nombreux à jouer, plus c'est difficile, mais c'est surtout que c'est super marrant, quoi. C'est un jeu qui est super bien, quoi. C'est gore, c'est violent, c'est... Voilà, toujours content d'exploser des vomitous.
à mon petit Dark Dems, petite dédicace à toi. Bienvenue au pays des vomiteux. Donc c'est un très bon jeu que je conseille, un FPS vraiment très très sympa, très très fun, y a vraiment de quoi s'amuser, c'est tout, je vais pas dire pour une bouchée de pain, non, il doit coûter une trentaine d'euros, mais en tout cas il est vraiment très très bon, ça c'est bien. Par contre maintenant si vous jouez jamais en ligne, je sais pas si je vous conseille de l'acheter quoi. Ensuite, Bloodborne en édition jeu d'année avec son extension Hunter, je sais plus quoi là. Je suis désolé, je me souviens plus. Donc le GOTY de Bloodborne. Donc voilà, Bloodborne pour les intimes. Et donc plutôt. Ben c'est un excellent jeu, ça, tout le monde le sait. Maintenant, bon, je sais qu'il y a une mise à jour à faire dès qu'on lance le disque. Bon, par contre, après, je tiens quand même à rassurer les gens. Le DLC, que ce soit d'occasion ou en neuf, le DLC, il est bien sur le disque. Par contre, il faut quand même être très très avancé dans le jeu pour accéder au DLC. Voilà, on pourra y accéder seulement à partir d'un moment donné, quoi. Donc voilà, Bloodborne, par les mêmes développeurs que la série des Souls. Voilà. Demon Souls, Dark Souls, enfin, vous connaissez quoi. Vous connaissez très bien. Et ensuite, pour finir, toujours sous Blister, Super Meat Boy, un petit jeu plateforme dans la vague un peu rétro de ces dernières années. On nous pond sans arrêt des petits indépendants, des petits jeux indépendants, des plateformers et actions en tout genre. Bah moi j'aime ça, j'aime le rétro, j'aime ça, et donc là, je suis assez content de voir un petit jeu, oh bah un petit jeu qui a au moins 3 ans, je crois quand même, 2 ans, je sais plus trop, non, 2015, ou alors c'est peut-être juste l'édition PS4 peut-être. Bon en tout cas c'est un morceau de viande où sa copine s'est fait kidnapper. Et donc, en fait, on doit traverser des niveaux parsemés d'embûches et d'obstacles qui sont capables de nous, justement, de nous disséminer en très peu de temps, des obstacles très dangereux, on doit passer des niveaux, et puis voilà, puis en finissant le jeu, bah, on sauve notre petite copine, et puis voilà. Et c'est un jeu qui est assez addictif, qui est très sympa, les niveaux sont rapides à faire. Voilà, il existe aussi d'ailleurs, je crois qu'au départ il était sorti sur en démat sur Steam. Après, je sais pas s'il est sorti en même temps sur le live et sur le PSN, je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça fait déjà quelques années qu'il est sorti sur Steam, ça c'est sûr. Voilà, donc en tout cas, ça c'est bien. Genre de jeu qu'on trouve dans les 10 ou 20 euros, voilà, 20 euros grand maximum. On peut le trouver même en 13 euros, 14, enfin voilà, c'est. Ça dépend des vendeurs, il vaut rien. Et en moins, il n'y a pas de mise à jour à faire, vous lancez le disque, le jeu se lance, c'est nickel, on peut jouer tout de suite avec, ça c'est formidable. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Des bons jeux, Killing Floor 2, que je conseille. Donc moi je l'avais pris pour jouer avec un copain hein, dont j'ai cité son nom tout à l'heure. Bloodborne en GOTY, ça franchement c'est excellent, c'est un bon jeu à se faire tout seul, c'est vraiment excellent. Super Meat Boy c'est très fun aussi, ça passe le temps et c'est très rigolo. Et là Hitman, franchement Hitman, bah c'est Hitman, c'est moi, pour moi, moi qui aime l'infiltration, l'action, c'est que du bonheur quoi. Donc c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Donc on a du contenu. Donc après voilà, j'espère que vous voyez correctement les bonus téléchargeables. Donc en tout cas,
Putain, mon carton, il est un petit peu bouffé autour à cause de languette plastique qui était de chaque côté, mais bon. C'est pas gênant. Oh voilà, en tout cas, c'est des très très bons jeux. Hitman, je pense que je vais peut-être pas passer ma vie dessus, mais je pense que je vais passer un sacré bon bout de temps, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà commencé, et franchement, j'ai pas envie de le lâcher, quoi. Et franchement, je suis pas un pro, je suis pas du tout un pro de l'infiltration, mais j'adore tellement ce genre de jeu, que j'adore voir toutes les possibilités, se promener dans les niveaux, tout ça. Se déguiser en prenant la tenue des adversaires, c'est vraiment excellent, quoi. Donc voilà, tout simplement. Je faisais une petite parenthèse pour finir sur The Last Guardian que je vous avais montré l'unboxing en vidéo avec la statuette et tout. Le jeu, je l'ai terminé, il est fantastique. Il est vraiment fantastique, c'est une expérience unique à vivre, c'est magique, c'est vraiment un super jeu où franchement on voit très très peu de... On voit pas ce genre de choses dans d'autres jeux vidéo. C'est vraiment l'IA de tricot et d'une maîtrise exceptionnelle, c'est une prouesse technologique. Vraiment, ce jeu-là, il est formidable. J'ai adoré la fin aussi. Le déroulement, tout, la mise en scène. L'IA de tricot est juste génial. Bon, puis après, il faut aimer un petit peu les jeux de... Les puzzle games, quoi. Faut aimer un petit peu ce genre-là. Moi, ça va, j'aime bien. Donc, et puis bon, c'est surtout l'univers de Fumito Ueda, quoi. C'est soit on adhère, quoi. Moi, je suis totalement fan. Et voilà, j'étais ravi, époustouflé, j'étais complètement conquis par ce jeu, quoi. Que je conseille. Et d'ailleurs, je sais pas si on va le voir dans ma vitrine, un petit zoom du Steelbook. Voilà, en tout cas, bonjour, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et surtout, bon jeu à tous. Allez, à bientôt. Ciao.